tous, voilà, je suis de retour. Nous sommes dimanche et comme je vous avais dit en début de semaine que les actions étaient ouvertes et j'ai fait un petit tour pour savoir si celui de Flers en Escrocs était ouvert et bien sûr, il était ouvert. Alors j'étais action pour acheter trois petits trucs c'était. Et en vérité, ben, je suis revenue avec une liste, hein, comme d'habitude, quoi. Et l'inconvénient, c'est que sur la liste, on ne comprend pas trop trop bien, quoi. Je trouve qu'à Action, il manque de l'encre dans leur petite tablette. Alors, je vais commencer par le plus grand, plus imposant. Je me suis acheté un panier pour mettre dans ma salle de bain, en blanc. Il avait en noir et en blanc. Mettre tout le linge, les draps, les couvertures, tout ce qui a déjà lavé, tout a rangé dedans. Voilà, il y a 47 litres. C'est un très grand panier, vous voyez. Et ce panier, il était à 4,29 €. Moi, je trouve qu'il est très bien, au moins, ce sera moins le bordel dans ma salle de bain. Après, je me suis acheté ça. Si vous voyez, c'est une sorte de petit lait de spray, un petit truc de Noël. Vous voyez, là, avec des petites piles rondes, ça fait très joli, très très beau. De toute façon, même que je l'allume, il fait du soleil aujourd'hui, alors on verra rien. Et ça, il était à 95 centimes et ils étaient cachés. Derrière des grands trucs, il fallait vraiment les trouver. Il en restait plus que deux. Ben, j'en ai pris un, quoi. 95 centimes. Je trouve que c'est trop beau, quoi. Vous voyez, les petites lumières, ça fait ça. Voilà. Après, je me suis acheté, par contre, toujours les trucs que j'adore. Je me suis acheté des biscuits. Je me suis acheté, vous voyez bien, je me suis acheté deux. Et on manque déjà deux. Alors, mon mari, déjà, on est en voiture, il en a déjà mangé deux. Alors, ça, ils étaient à 99 centimes pour un. Ça fait un total de 1,98 €. Ce que je me suis acheté aussi, c'est des ballons. Comme je vous avais dit, j'avais fait ma déco avec de la laine qui se trouve ici. Vous voyez? Là, ici, là. Là, ici, là. Bon, la laine, c'est ça tient pas tellement. Alors, ce que je vais recommencer, excusez-moi, je me suis acheté des grands ballons, des beaucoup plus grands, pour faire une déco plutôt à terre. Voilà, je me suis acheté les ballons. J'espère qu'avec ceux-là, ça ira. Et les ballons, je les ai achetés 89 centimes pour les grands. Et c'est des, je ne sais même pas s'ils marquent la grandeur du ballon. Non, même pas. Non, pas alors, c'est des grands ballons. On verra bien ce que ça va faire. Et ils étaient à 89 centimes, comme je vous avais dit. Après, je me suis acheté ça parce que ça, j'adore. C'est des béquilles, c'est des petits pains grillés à l'ail, avec de l'ail. Vous voyez? C'est ça. Il est à 150 grammes des béquisses et c'est vachement trop bon. Vous mettez ça avec un peu de beurre et mon mari adore ça en plus. C'est trop bon quoi. À l'apéritif, nous on mange comme ça pour grignoter. C'est mieux de manger ça que du chocolat. Voilà. Et ça, par contre, il était à 96 centimes. C'est trop bien. Alors, ce que je me suis acheté aussi. C'est des guirlandes à boules. Voilà. C'est des LED. Il y en a 10. Il y a 10 petites boules. Voilà. Vous voyez? Il y a 10 LED dedans. Ils sont blancs cette fois-ci parce qu'il y en avait plusieurs. Il y a deux trucs. Il y a en blanc ou des multicolores. Moi, je préfère blanc. Ça fait plus joli. Pour mettre dans des photos fortes, je trouve que ça fait beau. Voilà. Et les 10 boules guirlandes, ils étaient à 1,99 €. Vous voyez? Avec des piles, hein, bien sûr. Avec exactement deux piles.
Oui, il y a deux piles pour mettre dedans. 1,99 €. Alors, pour les ballons, bien sûr, Marie a dit on va acheter une pompe. Pour ne pas le souffler à la bouche, on a acheté une pompe, toute simple, pour les ballons. Et la pompe, elle valait exactement 39 centimes. C'est une pompe, quoi. Après, je me suis acheté aussi, ça c'était parce qu'on avait soif. C'est du 7-Up, bouteille de 7-Up. Au chéri, 56 centilitres. Oui. Ça, on l'a pris 54 centimes. On avait plus que on avait soif, tout simplement. Alors, ce que mon mari a fait aussi, c'est ça. Ça, c'est pour lui. C'est une sorte de... C'est de la crème pour nettoyer les mains, pour la graisse, la colle, la peinture. Vous voyez ? Si vous voyez, nettoyer les mains pour la graisse, la colle et la peinture. Voilà, tout simplement. Et il était à 1,99 €. On verra l'efficacité. Parce que là, je vais recommencer ma déco avec la boule, avec la colle et tout ça. Je vais voir avec ça, je vais nettoyer mes mains et je vous dirai quand j'aurai fini ma petite déco s'il est efficace. Et je me répète, il était à 1,99 €. Après, par contre, comme je vous ai dit, j'ai essayé les boules avec de la laine. C'était sans plus, quoi. Ça n'accroche pas tellement. J'ai pris une sorte de ficelle à corde 100% naturelle. C'est de la ficelle. Voilà. J'en ai pris à 50 mètres, je crois. Il y a 50 mètres de ficelle. Voilà. J'en ai pris deux. J'en ai pris deux, et les ficelles, ils étaient à 99, ça fait 1,98 €. Et quand j'aurai fini, je vais le bomber, bien sûr, avec la bombe couleur argent, comme je vous avais dit. Voilà. Après, ce que j'ai pris aussi, par contre, j'ai pris ça. On m'a dit que c'était efficace. Comme j'ai un peu mal partout, c'est un coussin à noyau. On fait chauffer au micro-ondes et qu'on le pose sur la partie qu'on a mal, musculaire, les jambes, le dos, le bras, le ventre aussi si vous avez mal au ventre. C'est des noyaux de cerise. Vous voyez? C'est un coussin rose qu'on met au micro-ondes et que ça chauffe. Et le coussin, il était à 2,39 €. Alors, je vais l'essayer et je vous dirai ce qu'il en est aussi. Voir si c'est efficace aussi. Ce que j'ai pris aussi, attendez que je vois, parce que comme je vous avais dit, on voit très très mal, quoi. J'ai pris aussi ça. Comme j'ai mal à mon épaule, je vous ai pris aussi c'est des sortes de plaques réchauffe. Vous mettez ça dans le micro-ondes aussi, je crois. Et vous mettez ça sur les parties où vous avez mal. Voilà. Si vous voyez bien. Dans les endroits où vous avez mal, le dos, le ventre, l'épaule. Voilà. Vous mettez ça directement sur la peau, ça chauffe. Et ça fait du bien, quoi. Je vous dirai aussi qui n'en est aussi. Et ça, il était à chauffant 1,06 €. C'est pas trop cher. Ce que j'ai pris aussi, c'est ça. C'est des décorations. C'est des sels à des décos qu'on chauffe aussi. Qu'on met. Je vais faire ça sur les décos en verre. Ou... Vous voyez, comme là par exemple, ici. Là, il y a un grand vase ici. Comme là aussi, il y a des grands vases aussi. Et je vais mettre des décos comme ça. Ils étaient à 75 centimes. Il y en avait plusieurs. Il y en avait des roses, des étoiles. Moi, j'ai pris ça. À 75 centimes. Et il y avait celui-là aussi. Celui-là aussi, c'est des stickers aussi. Il y en avait plusieurs aussi.
Il était à 99 centimes. Et moi, j'ai pris celui-là. Ils sont trop beaux. Vous voyez? Et celui que j'aime bien, bien sûr, c'est les petits anges. Là, les petits anges, j'aime bien. Comme. Bah, j'aime tout, quoi. Mais c'est vrai que je préfère les petits anges. Les petits anges, et puis l'ove aussi en bas. Voilà. Ça. Et ce que je me suis re-acheté, je me suis re-acheté ça encore. Vous connaissez, j'en ai déjà acheté plein. Parce que je trouve ça vachement efficace. Et celui-là, c'est senteur cannelle. Ça sent trop, trop bon. Comme là, il y en a plusieurs qui sont en train de chauffer chez moi et sentir bon la maison. C'est vraiment très, très bien. Sentir cannelle, ça, c'est très bien, très bien aussi. 99 centimes. Voyez. Trop bien. Je me suis acheté tout simplement des sopalins. Ils étaient 1,06 €. Parce qu'il m'en fallait. Voilà, sur mes courses de ce matin, j'ai oublié les sopalins, alors j'ai pris des sopalins tout simples. Et ça aussi, j'ai craqué ça, parce que je trouve que c'est très grand. Voilà, une grande bouteille pour se laver les mains. Moi, je trouve qu'en plus, elle est jolie. Il est exactement, c'est du 1000 ml, ça doit se faire un litre, ça. Pour 99 centimes, c'est vraiment trop top. Pour le prix, c'est pas cher du tout pour se laver les mains, de toute façon. C'est vraiment trop, trop bien, quoi. Voilà, c'était pour vous dire que bah, j'étais encore action à dimanche. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était une vidéo toute simple. C'était une vidéo toute simple, en espérant qu'elle vous a plu. Et si vous êtes contente ou pas contente, donnez un petit commentaire ou mettez un pouce, ou comme vous voulez. Et si vous voulez vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, vous pouvez le faire pour suivre mes petits hauls que je fais, mes petites décos que je fais. Voilà. Sinon, bon week-end à tous et à la prochaine. Au revoir.